Je suis un fanatique de l'assortiment subtil, d'éléments à spécificité. Des chaussettes assorties à mon chapeau, un chapeau assorti à mon parapluie, un parapluie assorti aux gouttes de pluie. Bougez pas! Mes sous-vêtements sont assortis non seulement à mon chapeau, mais à la couleur de ma peau. Pour que le tout soit invisible, sans être indécent, cela va de soi. Faudrait savoir, le chapeau, vous ne voulez assortir slip ou en chaussette? Comment? Mais c'est pareil, puisque tout sera de la même couleur. Celui-là? L'idéal serait un chapeau caméléon. Un chapeau, mais non, ça ira. Où est la cabine? Pas besoin de cabine pour essayer un chapeau. Mais je ne veux pas qu'on me voie tête nue. Alors, allez au rayon lingerie. Il y a des cabines. Où ça? Maman, vous verrez avec ma collègue Marie-Claire. C'est une qui a les cheveux rouges. Mais ce n'est pas une collègue. C'est un phare. Encore vous? Les PC, s'il vous plaît. Il n'y a pas de WC pour les clients dans le magasin. Pas les WC, les PC. P comme pataquès et C comme collatéral. Quoi? Quoi? Bon, vous cherchez quoi? 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 Non, je dis, vous cherchez quoi exactement? P comme potiron et C comme... Oh, c'est pas l'alimentation. Y a mí qué es su problema, vaya boutique de mierda. Quiero hablar con el responsable. Ah no, con el jefe del departamento. Ah no, con la dirección. ¿Qué es abrutí? Ces étrangers se prennent pour je ne sais qui. Ma tak no no ni exactement plané. ¿Qué es abrutí? Lo que me ha hecho plané tan chupa. Ahora está ni una ma tak. ¿Dónde está teniendo vos con mi se? Tak no. Uy, no con el. ¿Qué te llama? ¿Qué no? Marie Claire. Ouais. ¿Te has hecho tu pausa? J'ai faim, mais je suis crevée. Oh, y'a personne, dites donc. Le rayon lingerie, j'en ai l'air. Je préférais le sex shop. Tu sais, les clampins qui cherchent des légumes par ici. Hein? Quoi, comme légumes? Tout y roule et compagnie, tu vas le genre. Ah ouais? Tu es sûre que c'est un légume, le potiron? C'est pas un fruit, plutôt? Hein? C'est pas un fruit, le potiron? C'est toi, je demande! Bonjour! Bonjour! J'ai jamais compris la différence entre un fruit et un légume! Ah, si tu regardes dans un dico, tu piges rien! Il paraît qu'il faut distinguer entre les légumes verts et les légumes secs, ce qui déjà n'est pas du tout évident! En tout cas pour moi! Je demande, Marie-Claire! C'est pour... Je voudrais un chapeau! Par exemple, la tomate, tu vois, c'est pas un légume, c'est un fruit, tu savais. Deux secondes, Marie-Claire, je suis occupée. Oui. Ah, t'es occupée? Ah, bah t'as de la chance. Je voudrais un chapeau. C'est pour vous? Non, c'est pour mon chat. Bon, moi, je refais la pause. Tu m'appelles si tu vois quelqu'un? Pardon? Je voudrais un chapeau pour mon chat. Désolée, nous ne faisons pas les animaux. Je vous en prie, mademoiselle. Mon chat, c'est mon mari. Enfin, bientôt mon mari, pas encore. Nous nous marions dans quelques jours. Je ne pouvais pas savoir. J'imagine. Buongiorno. Bella bambolona. Attends, attends. Attends, 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 ça sentait le sommelier. Niente male, il vestito. Titino. Ma che non te lo annette? Poi se non sto stendo, vai na sai? Dio, che schianto che sei! Comitmo, attacci! Dammi, attacci! Mon chat, pour moi, c'est un chat. Il y a des gens qui habillent leur chat. Alors, pourquoi pas un chapeau pour un chat? On fait bien des chapeaux en peau de chat. Quelle emmerdeuse! Oh, écoutez, je sais très bien ce que les
gens font avec leurs chats. Non seulement ils les habillent, mais ils mangent avec, couchent avec, parlent avec. Exactement comme si les chats étaient des personnes. Seulement, cela ne signifie pas forcément qu'un homme qui s'appelle mon chat soit un chat. N'est-ce pas, mon chat? Et vous? Ça suffit, votre manège! Faut me parler autrement, dites. Mais je parle comme je veux, sale garce! Répète un peu! Qui passe? Un extrémiste. Comment tu sais? Comment? Et là-bas, il passe à l'extrême opposé dans l'axe de la diagonale. Vaudrait mieux pas rester dans l'axe. À terre! Il a pas l'air extrême. Appelle pour savoir qui c'est. Oyez tout! Essaye un nom. Louis? Louis XIV, Adolphe, Vladimir, quelque chose de flatteur, Aphrodite, Vishnu, Marie.
Marduk Prajapati. Il s'en fout, il doit être athée. N'approchez pas, ne bougez plus. C'est nous le roi. Tous les autres sont des sujets. C'est à quel sujet? Au sujet de... De l'assujettissement. Grande question. Quelle question? Dis-lui la question. Comment se mettre à quatre pattes quand on est assujetti? Le cul en haut ou le cul en bas? Je ne vois pas. Montre! Personnellement, je préfère comme ça. Allez, faites pareil. Maintenant, les pieds en l'air. À genoux. Main jointe. Disjointe. Sur la tête. Sur la tête, les mains. On devrait le faire suivre. Il est passé maintenant. Si tout le monde passe comme ça, je vais régner sur qui? L'espèce demeure, le genre humain. Les genres passent. Reste l'œuvre tout de même. Et où elle reste, l'œuvre? Où? Mais partout. Dans les mémoires, dans les tripes. Tu crois que ça dure, les mémoires et les tripes?